épisode 118. Lis ta Bible. Bonjour la famille, je suis le pasteur Tom Boutier-Bellet et vous regardez Lis ta Bible. Chaque jour, je partage quelques versets et on étudie la Bible tous ensemble. Le texte du jour est le psaume 139, versets 13 à 16. Prends juste quelques secondes pour regarder ton téléphone et lire à haute voix avec moi. Tu es prêt? C'est parti. C'est toi qui as créé ma conscience, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Dieu et moi, le créateur et sa créature, le concepteur et sa conception. Le roi David nous apprend dans ce psaume que Dieu a créé chacun d'entre nous de manière artisanale et personnalisée. Tu n'es pas un produit industriel, made in China, à Guangzhou. Non, Dieu t'a fait à la main, patiemment. Il a designé ton corps et ton esprit parfaitement. Tu n'es pas un craboucha, tu es une œuvre d'art. Un ouvrage créé par le grand styliste du ciel. Vérité à retenir, Dieu a un plan pour nous. Le texte nous dit que Dieu a écrit à l'avance toutes sortes d'informations sur nous. La durée de ta vie, le nombre de diplômes ou d'enfants que tu aurais, il a un plan très précis pour ta vie. Même tes pires échecs et tes journées les plus pourries sont dans son plan. Parce que Dieu a un plan pour nous. Et toi, mon ami, est-ce que tu sais que Dieu a un plan pour toi? Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la liker, à la partager à tes amis, à t'abonner à ma chaîne YouTube ou à cliquer sur la petite cloche. Aujourd'hui dans les commentaires, j'aimerais qu'on discute, que chacun explique un peu quel est le plan de Dieu pour sa vie. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Passez une superbe journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas, sois la lumière du monde.